Bonjour, moi c'est Pierre-Nicolas Grisel. Donc, je suis éleveur de volailles ici à Milly-la-Forêt, dans le sud de l'Essonne, juste à côté de Fontainebleau, en plein cœur du Gâtinais français. Alors ici sur la ferme, puisqu'on est en agriculture biologique, les poulets arrivent à l'âge de 1 jour, au stade poussin, sur l'exploitation. Je fais venir à peu près des lots de 5 à 700 petits poussins qui sont élevés dans des cabanes mobiles en extérieur, en plein air. Ils sont élevés dans les mêmes cabanes durant toute leur vie. Ce sont des poulets qui sont élevés minimum 81 jours, comme l'oblige le label AB. Donc pourquoi je fais le choix d'élever ces volailles plus que 81 jours? C'est parce que d'abord je travaille avec des souches à croissance lente. Donc ce sont des volailles qui ont vraiment besoin de temps pour exprimer leur caractère, de développer leurs muscles et d'avoir voilà, un bon équilibre entre le muscle et la graisse, ce qu'on va rechercher dans une volaille de qualité. Donc, ici, l'avantage que j'ai à Milly-la-Forêt, c'est que j'achète en direct une grosse partie de mes céréales auprès de mes voisins, qui sont aussi producteurs bio. En échange aussi, je leur fournis le fumier qui est produit sur la ferme. Donc il y a ce genre de synergie qu'on a mis en place au fil du temps, depuis 8 ans que je suis installé ici. L'autre particularité de la ferme, c'est que tous les parcours des volailles sont arborés. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai planté un peu plus d'un millier d'arbres fruitiers. Donc il y a un millier de pommiers qui sont présents sur les parcours, des cerisiers aussi, voilà, j'essaie aussi de diversifier un peu la production fruitière. Tout ça c'est pour faire une production secondaire, sur essentiellement des pommes et du jus de pomme. Voilà. Forcément tout est bio et les pommiers en fait participent au bien-être animal parce que c'est eux qui drainent les animaux en dehors des cabanes grâce à l'ombre qu'ils vont leur procurer et finalement aussi à la vie qui se développe au pied des pommiers du désherbage gratuit où moi j'ai rien à faire. Voilà. Il y a qu'à observer, on est au printemps, il n'y a pas d'herbe au pied des arbres et là où il y a de l'herbe ce sera pour le prochain lot qui sera à nouveau pâturé et qui sera quelque part désinsectisé naturellement et sans produit par les poulets. Alors pour trouver mes produits, on peut les acheter ici même à la ferme chaque samedi matin entre 9h et midi. Et après dans des commerces, dans des partenaires, donc il y a, comme vous pouvez trouver sur ma page internet, et principalement donc des magasins de biocoque, il y en a une dizaine en région parisienne. C'est aussi des restaurateurs qui travaillent mes produits quasiment chaque semaine, il y en a une demi-douzaine.